Telema, Telema. Bonne nouvelle pour la bande de Kouya Diaspora éparpillée à travers le monde. Le côté d'Ambou est comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayou, au Kenegote, les managers, pour Tinder Bande de Combo. Dans il y a application sans doeuvre au Ezali. Très facile. Au côté échangé à partir à téléphone, au côté la bande de Kou, au Baza, na Kinshasa, République du Congo, au Baza, na Congo, Brazzaville, République du Congo. Facilement, bah, quoi qu'il récupérer Mbongo, dans il y a MPSA, Orange Manila Bango. Et yo, et si ka ozali, bon nouvelle miami balé, ezali que ceux qui ont téléchargé application Sandware et kotindi na code promo Buzz TV, on reçoit $10 pour la bénéfice. Donc il n'y a pas mieux télécharger Mokona Lelo, Makamba au téléménageant Cécile. Il n'y a pas mieux que ça. Tindambo, la facilité dès aujourd'hui télécharger Sandware, Nandela, il y a téléphone na yo, plus facile, il n'y a pas mieux. Aujourd'hui, mon collègue, 6 mois après beaucoup, il y a deuxième mandat, République démocratique du Congo, et que je bongo, gouvernement n'a ingo investi, kuna na palais du peuple tout à l'heure, to, ko, zala kuna pona kope sabino bongo, nyonso, mae, eko, oleka, na o etali, présentation, il y a programme, il y a gouvernement, souminois, o ezali, bongo, chiffré, na 92 milliards, pour 5 ans, pe du milliards pour na bamboula nyonso et programme yango très ambitieux et ils a basé beaucoup plus sur vision à tata mokambe kolope si engagement oyo azwa ki lor ya investir naye mais lor pe ya élection pe tant waya ki pa na bino ko senga bino bongo maboko aibisa ki bino mai o akosala e o akosala o alakaki yango e kozala bongo traduit na programme ya gouvernement souminois présenté moko na lelo kuna na ensemble national et quid sur répercussion ya mosolo wana na impact ya vie ya kongomani il faut rappeler awa ke dollar et mati du sous eza kokoba komata biloko akolia ezali komata motango tope ya vie ya kongomani mikona mikolo ezokoma de plus en plus compliqué kuna na banque centrale balobi mosolo ekobima na franc congolais bayeo bakoteka nani akozwa poa wana ya baye bakosomba baye bakoteka ezali mwa kokoso esko gouvernement soumis ne causera à la hauteur il y a qu'au relever bon au défi il y a les cambois et y est au comme car kobeta les sauver en gros parce que des commentaires taponi au moko ya ba premier ministre en boko la bisho ou ya les cas premier ministre honoraire n'est pas le bacan à l'opoto à talisa qui n'a tant on a et à zala qui kaka na 4 milliards mais la vie est zala qui est un peu plus normal et zala qui kuto kote solo mais ma cambois et kota mola moi mala mou kassilelo 16 milliards ba ebisi biso 18 milliards est-ce que la vie ya congolais sali kotambola ndenge elongo bani mayo bakani kosala 6,4 millions d'emplois pour le 5 ans à venir question sécuritaire question ya économique diversifié économique question ya dollar question ya sécurité question ya maimatali ba service public onion soana na kati ya programme auto kokota nango muzindo dès que maman soumino akofongola biso mokolo ya alelo Mbote pe boye bola mona bino bonso ba kongomani éparpillé à travers le monde na Kinshasa tona kati ya mboka matondo mingi na confiance ba fidélité na bino na maye matali mboka Congo pona Congo alléluia bandi quelques sujets d'actualité maye matali tueri na Beni Kinshasa azolobela 47 morts oni ezali kolobela 54 morts société civile kuna zali kotalisa ke ezali plus de 80 morts Rokasi esengi ko simba na mozindo penza ke gouvernement congolais ya Kinshasa balaki bongo ko yeba ko accompagner ba famille na wetali ko kunda
bibembe oyo bakufa kibande kona biso toza na bango na motema e question ya Bukavu ba yebisi biso ke deux personnes bakufa ki une famille o bazika ki na incendie et salema ki lobikasi origine incendie yango oye e buki te bebisi plus de 50 maisons ezali nanu koye bana te toza na bino pe na motema kuna na ngambo ya Bukavu contrairement na oye sur ki la ki na ba réseaux sociaux pe na ba media ya Kinshasa na Maimatali Sena patriarche Jonas Mukamba a ebi bongo ko renoncer na kiti na ye a bokondite lokola doyen d'âge ndenge constitution et pesi e bongo et si ka ye atali si ke contrairement ya mai oyebane koloba malobi moleki yango esalemaki bongo soki mokete bokutani na ndeko Augustin Kabuya e botaki ata compromis moko te azali kosenga que justice ezala esalema tope mibeko etosa. Mais qu'est-ce qui se passe au Sénat? Nous allons en parler tout à l'heure avec nos invités sur ces plateaux puisque comité ya ba avocat na ye bango basali ko talisa keza manipulation na bayo basali ko luka ko kanga mala pouvoir alors que mobeko et pesi bango ndingi sate. Est-ce que il y a un problème au sein du Sénat alors que lobby moleki ba kota ki na élaboration il y a règlement intérieur et à Sénat pour na ko kenina élection ya bureau définitif et ko sa ma bon le 15 pourquoi boelani kuna to ko lobelango tout à l'heure sur ce plateau toza bongo na mwana mboka Jean-Paul Kazamba Richelmo Mikole Belen deko ya FCC. Bonjour, bienvenue. Merci madame pour votre invitation. Bon, na sepeli na pesi ba ko débattre na mbote na pesi ba landi télévision émission na mbote e belé na zaki mwanzo te zaki kokoso vraiment ça je suis établi ya na moi na ye zoka ndé pas ezali kaka moko na lina profiter na tourna na yo to moni de ko gloria senga o le loza to zo ken plus de mois aza na kanga ki destination koni pa do bele kambo e ya ke to le mbi pas o moni de ko le lo le kambo e tali pas na RDC mala moto aza mto ali boma pa ba teke pas ezali ou bien aza moto aza na katia pouvoir zo ya zo de tourner ba million pa ba teke pas ezali le kambo a pas tout le monde a ebi ki pas ezali makasi et c'est pour la première fois na mboka na biso tous en a pas si à boire. Vous voyez que c'est vrai, il y a des pasteurs esco. Tout va profiter esco basali. Oh, bah d'abord que avant ma prononcer ça, ma ezana va candidat président monsieur Bagotan Bachez Oulant, va monsieur Bagoukouf à tout le monde et ça matin. Il y a des pasteurs esco, mais des prophètes aussi dans beaucoup d'abus comme Simon Gibang. Tout peut qui profite même au bout du lompé dire que c'est un prophète. Oh, bah qui après moi c'est le dédige. L'autre aussi dans beaucoup d'abus à part parce que c'est tout un délige. Ça dit tala ki sasa ndenge za tala salité ndenge za na ki sasa awa lelo yo fa yo za mona ki sasa yo mona salité a boye est-ce yo mona insécurité a boye est-ce que yo mona boye o to vivre lelo j'espère que moi je demande vraiment libération na yete toute affaire cessante parce que comme on a ba tête bazo de tourner ba million de dollars ba yebani a vie a présenter net na gouvernement que forage d'eau les autres coûter 300 000 dollars, alors que Frazo au côté 20 000. À ce moment-là, Forage n'a 16 millions de dollars, à ce présenté facture, il y a 71 millions, de 55 millions, il y a 6 facturations. Bah, toi, bah, au tambour. Ce que moi, dans moi, si, oh, le bit, le mbi passe, il faut que ça marche. Reconnu dans la conscience. Bon, que nous, quand on merci à beaucoup. À quoi c'est le combat de l'UDPS pendant 37 ans au Bagangaka? Très bien. Merci beaucoup, Mwana Mboka, Maton Dominguez, Arika Rambo, TP, beaucoup tinao na émission, Deko Joseph Mbenza, aux anabis sur ce plateau. On peut commenter en direct sur, présentation et à gouvernement, présentation et à programme et à gouvernement souminois. Bonjour et bienvenue. Sentiment Noël Bossu et Zanine, puisque 6 mois après, finalement, beaucoup tinao sa et à gouvernement et Kobanda Moko Naelo. Merci maman Naomi pour l'invitation. Na pisi ba ba tuto zambo na plateau mbote. Na pisi abiso ya mboka mbote mon mboka Félix Tshisekedi. Tous mes encouragements à madame la première ministre Judy Tuluka. Et puis sans oublier le secrétaire général Augustin Kabuya. C'est un sentiment de joie parce que na ndenge mibeko ezali et puis na ndenge politique et salama ka gouvernement za wana pona ko résoudre ba problème. Hein, soucieux de base à population. Il y a mon moni madame Aeko présenté les lots, la représentation nationale.
ce qu'elle va faire si elle sera là pour 5 ans, avec un budget de 92 milliards de dollars, 18 milliards de dollars par an. Donc voilà, c'est un sentiment de joie, parce que ça, maintenant le travail peut commencer, pour que tout juguler, crise, ils en ont beaucoup, problème, il y a insécurité. Bon, je ne vais pas entrer dans des mensonges, il y a pas d'opposition. Comment parce ça, que nous avons une opposition trop faible, infantile, et bien ici, quand vous dites opposition faible, ça la religion, l'année. Non, c'est-à-dire, c'est... L'opposition forte, c'est descendre dans la rue, qu'au Bouka, qu'au Panda. Non, ça, c'est ça la force de l'opposition. En termes d'analyse, en termes de proposition, ils n'y sont même pas là. Ils sont dans des digressions, dans des mensonges. Donc, moi, je ne peux pas entrer dans ces histoires, dans ces termes-là. Pas ces athées, c'est non. Non, on a lobby qu'un gouvernement aille pour la jubilé. Je l'ai dit. Mais vous êtes là depuis 6 ans. Non, tout ça, les belés, Koulekaba, président, nous sommes allés à Kalamboko. Je dis que le président Nyonso, en termes d'infrastructure, vous savez, non, faut la parenthèse. Quand ça vous voit du pouvoir, il y avait 17 millions de Congolais. Mon bout de 37 millions, 40 millions. Leur monsieur qui a dirigé le pays, tu habites pourquoi tu l'as pour lui pendant 18 ans? Il a géré le pays pendant avec 60, 70 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes à 100 millions d'habitants. Donc, Mukumba Félix n'a pas passif na bango. Bangambo na bango, azoumé mangambo, mais ils passent dans les télés pour raconter leur vie. Donc, pour dire que Félix fait mieux, mais je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Très bien. Des problèmes, certainement. Merci beaucoup, Toroko, t'as un bas chiffre, puisque depuis un moment, il dépasse ces hommes à casse, n'a pas chiffre, mais sur terrain, la population, Zaïkobi, Kayangote, Ndeko, Vincent Muzongo, vous êtes journaliste, expert, n'a pas question parlementaire. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Madame Normie. C'est un grand plaisir d'être invité sur votre beau plateau. C'est pour la première fois. Je voudrais saluer le travail qui est fait par le patron de cette chaîne, merci. Mais également le professionnalisme qui est démise et mise en pratique en musique par vous, les professionnels des médias. Merci de nous inviter sur votre plateau. Avant que je puisse me rendre très disponible à un exercice d'échange avec vous, je voudrais vite fait pas ramasser, mais recadrer le co-débatteur qui est en face de moi. Il est du peu perdu. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour l'opposition congolaise parce que la constitution de mon pays reconnaît l'opposition congolaise. Et d'ailleurs, cette constitution voudrait qu'il y ait un porte-parole de l'opposition. J'ai lui entendu demander la libération de Madame Gloria Senga. Oui. Mais ce qu'il n'a pas dit à la grande opinion est de savoir pourquoi Gloria a été arrêtée et elle est où. Je voudrais vite fait donner les faits. Gloria a été arrêtée par la DEMIAP. Il s'agit de la détection militaire des services antipatrie. Et la DEMIAP n'arrête pas n'importe qui. La DEMIAP arrête des gens qui complotent pour mettre le pays en péril. Et du coup, si vous voulez demander la libération de Madame Gloria, dites-nous quels sont les griefs à sa charge. J'ai compris. Mais c'est ça la question. Pourquoi est-ce que Gloria est une dame à Rochambeau? Et Madame, il s'agit de renseignements militaires. Ce sont des services intelligents. On ne peut pas arrêter Vincent Muzungu tout bonnement comme ça, parce qu'il a parlé à la télévision. Tshisekedi, on n'arrête pas les opposants parce qu'ils l'ont critiqué sur les médias. Non. Sous Tshisekedi, si on vous arrête, c'est parce que vous avez des griefs qui sont reconnus par des cours et tribunaux. Mais les cas de Gloria et consorts, surtout quand c'est la DEMIAP, quand c'est le CNS, quand c'est l'ANR, madame, attention, il s'agit là des questions étatiques. Il faudrait prendre cette question avec beaucoup de pincettes et non jouer à ces victimisations. Et je pense qu'au moment opportun, quand Madame sera déférée devant son juge naturel, parce que la DEMIAP n'a pas mission de garder quelqu'un ad vitam aeternam, c'est pour un délai. Quand les renseignements militaires seront terminés, on va déférer la personne qui a été interpellée devant son juge naturel et nous connaîtrons pourquoi certaines personnes ont été interpellées. C'était une parenthèse que j'ai fermée. Merci beaucoup, moi, Namboka, n'a rappelé que Michel Zalinga. Ah, ok. Moi, Linga, la Ramara Momingi, la question sur Sénat, qu'est-ce qui se passe? Puisque Lobby Moleki, Tosu Information Mibale, Nabiso Moro Batoya Media, tantôt Compromis Zoamaki, tantôt Ndeko Jodan Sabo Iko CD, tantôt, et tout le monde est déjà coupé dans le Sénat,
Mais ça, là, il y a règlement intérieur et Banda qui lobby. Donc, tout va bien et que Madame Jeu évolue. Pourquoi différencier d'information? Qu'est-ce qui s'est passé? Maman Naomi Tozali Namboka Yami Beko, il faudrait Batubaïba être premier tour de l'élection sénatoriale. Ils allaient qu'à convoquer au WAPI 84 sénateurs, proclamés et puis confirmés par la Cour constitutionnelle, dans lesquels il y avait Monsieur Pascal Kindelo, Oyo Abima qui doyen d'âge avec 84 ans d'âge. Et le Sénat n'affichait pas complet. Le second tour, il y avait quelques provinces, Oyo et Tikalaki, entre autres, Ituri et Équateur, sans oublier Maïndombe, et puis Kwilu. Après élection, il y a Grand Équateur, Monsieur Jonas Monkamba a été élu sénateur, et puis après identification sur l'ensemble du territoire national, il s'avère que c'est lui qui est le doyen d'âge parce qu'il a 93 ans, soit 93 ans. Et quand vous lisez la Constitution dans l'article 114 alinéa 1er, cet article stipule que celui qui est le doyen d'âge, c'est celui-là qui doit piloter le bureau provisoire, soit de la chambre haute du Parlement, soit de la chambre basse. Comparativement à Pascal Kindelo, qui a 83 ans, et Jonas Monkamba, qui a 93 ans, madame, le débat est clos. C'est monsieur Monkamba qui, des trois, doit piloter le bureau d'âge de la chambre haute du Parlement. Mais qui dit la loi n'a qu'à y exception, on a puisque l'élection, ça a mis mon coup de mon côté. Mais la loi est claire, la loi ne se dédie pas. La loi est celle qui déjà qui est au Yakozala, doyen y'a bureau d'âge, à telle élection salami m'kolomorote. Parce qu'ici, il faudrait rappeler que le principe a été respecté avec Pascal Kindelo pour le premier tour. Parce que la CENI avait communiqué pourquoi dans certaines provinces, les élections ne devraient pas s'éteindre. On a parlé, il y a insécurité et consort. Mais on a constaté que quelques provinces, notamment, et Kinshasa et consort, mais l'élection est allée qui convoquer. Mais le cas est Grand Équateur et après. Mais ce qui fait que Kindelo, na premier tour, Abima qui doit un âge. Mais na second tour, il y a maintenant celui qui dépasse Kindelo na âge. Alors, revenons aux normes. Les normes voudraient que Waza Mukolo, Yenda Ozala, président et bureau d'âge, et l'obité que parce que Yonde, Ozala qui, président et bureau d'âge, na première tournée au Tikaluana, ad vitam aeternam. Non, la loi ne dit pas cela. Maintenant ici, il est tout simplement problème, il y a élégance politique. Batuba Kouluba était Ndeko Kabuya à Sangisaki. Bon, oui, mais c'est la démarche politique. Kabuya Zali Moko, il y a président, il y a président, il y a union sacrée de la nation. Monsieur Monkamba, Azali Moutouya, FPAU, Zali Bongo, Ali, il y a UDPS. Monsieur Pascal Kindelo, Azali membre, il y a union sacrée de la nation. Et donc, il était question pour Kabuya, il y a Koyo Kabango Mibale, pour voir dans quelle mesure l'air prodiguer les conseils. Mais je dois rappeler que la rencontre au Isala qui entre Monsieur Kindelo Pascal, na Monsieur Jonas Monkamba, Monsieur Kindelo Pascal qui est le président actuel du bureau provisoire a dit tout simplement au patriarche Jonas Monkamba, Kouloutou, je cède les fauteuils. Et ce n'est pas un droit négociable, le fait de céder les fauteuils. C'est un droit constitutionnel. Alors qu'il continue, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, maintenant, il y a un aloba qui est élégance politique, il faut être sale. Parce que, comme il est là, Bitumba yabana union sacrée pendant que Libeko Mokonzi Yamboka Sikati tranché question. Il ne doit pas continuer. Alors, faut te rappeler que le 15 juin prochain, c'est la vacance parlementaire. Mais avant qu'il y ait la vacance parlementaire, le bureau provisoire est calé la mission. Il y a co-voter le règlement intérieur, mais également co-convoquer élection. Il y a bureau définitif. Maintenant, il est de bon à loi que monsieur Pascal Kindelo cède les fauteuils pour que monsieur Monkamba efface le reste Yamoussala. Les gens ne doivent pas dire que les jours sont comptés au bout des doigts, qu'on pour autant dire que monsieur Monkamba fasse chapeau bas. C'est le 15. Non, mais madame, le 15 mais juin, dans le, quelques jours. Mais ceux qui sikoyo la rencontre entre Kabuya et Monkamba, Pascal a reconnu qu'il va céder les fauteuils. Ça veut dire Atika Moussali et Tikali Ndeko Jonas Monkamba à Salamo. Mais c'est que moi je déplore comme étant journaliste, j'assiste à une sorte de manipulation de l'opinion. Il s'agit à question de la République. On ne peut pas
traiter cette question avec beaucoup de légèreté. Les gens ne peuvent pas se permettre d'écrire sur la toile comme quoi Jonas Moukamba a désisté. Pourquoi va-t-il désister? On négocie pas un droit. Merci. Un droit s'impose, madame. Merci beaucoup, mon Mbokan. Nous avons pu s'engager avec Jean-Paul Maloba, mais il y a qui dans une réaction, il y a Ndeko Joseph, puisque vous êtes de PES, pourquoi Kabuya est partout? Pourquoi c'est son nom qui est cité? Puisque les coordonnateurs, il y a une union sacrée, Tope Poyende Moukambi, à parti présidentiel, pourquoi Kolobaki Kabuya Kaboli Bango, Bayokani, alors que Moubeko est clair? Le plus grand parti ayant beaucoup de députés nationaux, provinciaux, Nakata Union Sacrée, c'est l'UDPS. Et de cela, ça lui confère cette capacité-là d'agir à niveau Union Sacrée. Mais l'Angana a précisé, le patriarche Kindelo a dans la liste et l'UDPS dans le courant central. Ça, c'est précision détail. J'ai suivi mon frère, et là, il parle de l'élégance. Mais normalement, au fait, nous sommes à quelques jours, il y a fin et à session. Il y a élection, il y a bureau définitif. Mais l'élégance, vous diriez que le patriarche aussi, vous, comme appelé, c'est d'électeur aussi. Pour dire que non, alors bon, ça va. Non, mon bébé, mais il y a mon alibi. S'il devait y avoir élégance, je crois beaucoup plus s'il devait y avoir respect de la Constitution, ce monsieur Pascal Kindelo. Mais élégance politique, vous diriez que monsieur Jonas Moukamba puisse se délecter pour dire, bon, mon jeune frère, tu avais commencé, alors continue jusqu'à la fin, amène-nous à l'élection. Ça aurait été plus simple, on n'aurait pas connu tous ces soubresauts dans la place publique. Moi, je crois que la sagesse, elle vient aux alas beaucoup plus, et pas Patrias Moukamba, avec ses 93 ans, pour dire que mon jeune frère, tu avais déjà commencé, tu as fait du bon travail, alors continue, amène-nous aux élections. Mais là, maintenant, c'est comme si vous voulez que la machine s'arrête, pour que nous commençons. D'ailleurs, ce qui peut être qu'il n'est pas la logique, bah, le bébé comment? Donc, on aura 4 jours. Donc, vous avez souci, Zagaka, dans l'histoire, comme Magazaki, président, il y a bureau d'âge, il y a assemblée, il y a Sénat pour 4-3 jours. Pourquoi pas? Pour non, maman, l'assemblée, la loi nous demande de respecter le délai de l'installation du bureau provisoire. Et puis, Pascal Kindelo, la salle est déjà un long chemin. Moi, je crois que la logique voudrait que le patriarche puisse dire, bon, bien que ça me revient de droit par la loi, mais par élégance politique, mon jeune frère continue. Ça nous éviterait tous ces spectacles. Merci. Vous comprenez? Donc, la loi, oui, je suis d'accord que M. Pascal Kindelo, mais l'élégance politique, c'est beaucoup plus chez le patriarche Moukamba. Mais quel est le rôle que joue Augustin Kabouya dans tout ça? Non, c'est pour apaiser, c'est pour amener les gens à se parler. Moi, je ne crois pas que, jusque-là, je n'ai pas l'information. C'est dans le canal, dans la UDPS, que M. Pascal Kindelo a dit, je te cède le fauteuil. Je n'ai pas cette information. Mais l'information qu'on a reçue et qu'ils se sont mis leurs billes ensemble pour dire que non, toi, mon jeune frère, continue. C'est ça l'information qui assure qu'il est. Et à la vraie, à la faux, parce que aujourd'hui, il y a une autre version qui arrive, mais ça ne fait pas propre à l'opinion. Donc, souci aux alarmes qu'on dit pendant 3-4 jours. Merci beaucoup, Mwambo Kamaton Domingue. Toujours, si j'ai l'habitude à l'Iboso, les Kambetan, les bas chiffres. Nao etali gouvernement soumis non les ali kokota mon sala moko na ilo baso présenter bongo programme ya moko gouvernement kuna na parlement question ya budget balobi si biso 92 milliards pour na 5 ans et 18 milliards pour na année moko na moko en réalité les a pas cité selon batubeli puisque tout a déjà na 16 milliards c'est juste un pas pour tout comme na 18 milliards mais la question qui se pose aujourd'hui c'est que l'impact, il y a mon solution sur un impact, il y a bas chiffre nion sur un na vie à congolais, ezali ndenyenyende ko Jean-Paul Kazamba, vous êtes l'opposition, vous allez coller la musique, vous allez coller la pembe, vous allez observer, mais ezali koleka question, il y a budget proposé na gouvernement soumis noir et bas chiffre bas pessimiste, le lundi quand nous voyons qu'il y a une lecture na ezali nini et le 6 engagement tata mokandi ekolo balobi ba pour créer 6,4 millions d'emplois pour na 5 ans pour na chaque année c'est plus d'un million d'emplois pour na bas jeunes. Comment est-ce que vous réagissez à ces propositions données par le gouvernement soumis noir? Merci, maman, Naomi, ce que tu peux faire, c'est que pour nous, nous avons découvert mi balais. Nous avons répondu à un journaliste.
Jean-Marc Abunda, Zana Boloko, parce que Bakana Babandouki n'a pas. Ce n'est pas la demi-heure pilée à la question. Est-ce que tu veux te poser, monsieur? Laissez-moi parler quand même. Non, pas de la politesse. Laissez-moi me dire quand même. Mais c'est ça la politesse. Non, pas la on ne coupe pas la parole, vraiment. C'est pour ça que je voulais que vous sachiez ce que j'ai à faire dans ce débat. Il a parlé, je laissais te parler. Parler de la politesse, mais c'est ça, c'est ça. La politesse, monsieur, vous n'avez pas des jugeotes. Vous parlez à un monsieur de la République, vous devez gérer, filtrer vos idées. Parce que tu vas gérer le mais non. Je vous en prie. Vous devriez avoir des vocabulaires, monsieur. Vous n'avez pas la parole. Même la politesse, ton voisin. Mais c'est ça. On ne dit pas la politesse. Si vous avez un problème de vocabulaire, je vais vous aider. Je vais vous aider avec des vocabulaires. Parce que vous en manquez. Si vous avez un déficit scientifique, je vais vous aider. S'il vous plaît, calmez-vous. Il y a un peu qui j'ai à faire. Vous avez un peu de temps, ça ne va pas se faire. Je ne peux permettre de dire que nous sommes encore dans le temps. Je ne peux pas dire que nous sommes par éducation dans l'église de l'école. Nous sommes encore dans le temps. 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 Mais ceux qui Jimmy Kitenge, ceux qui Mike Mukebay, ceux qui Jean-Marc Abonde, vous êtes allés à l'Ibassala. C'est que vous avez un jour à l'objet qu'il faut marcher sa moto pour que l'Embi passe. Vous avez un bon repos. Vous avez dit aucun de chéribé, aucun de demi-heure par contre de côté. Pour que vous avez un bon repos, vous avez un bon repos. 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 Vous avez un bon. Et ça, les politiques qui refait surface, ça veut dire que le cannabis, parce que il y a un journaliste, dans l'enquête qui a amené, dans le bateau qui a détourné 500 millions de dollars américains, à RAM, il y a un temps où il y a un combo. Ah, il y a un temps où il y a un bon forage, il y a un temps où il y a 15 millions de dollars, il y a un moko. Au moins, il y a un déco, parce que le moko est en passe. Comment on a mis son boy, de fan, mis son zama ta passe. Ce qui peut-être pas un de concours, t'as si qu'un fan dit tantôt qu'on a été pendant 6 mois. Mais peut-être rien gâté. Donc, les camois passent les autres, ils ont mis son nyoso. Yo, monsieur, on a Peter Gazadia, n'a ah ouais, vous savez. Ce sont des petits peuples comme lui, comme moi, autres, ils ont pour pas s'y aller. Mais il y a bien, moi bien. Mais ici, quand on sait que Mouto a un jour, parce que Bisson est comme un banque Sabisson. Quoi, on a la télévision. Ou bien que ça marche aux alliés constitutionnels. Liberté de manif, liberté d'expression, il y a un. Mais ceux qui ont un bâtonnet, ils ont besoin de tourner par millions de dollars. Ils ont dit qu'ils ont un peu de temps, Peter Kazadi, Nicolas Kazadi, Tony Mouaba. Tony Mouaba. Et comment que Bawana pas de pas ça coup d'état, Bawana le cas de mieux bâti qu'à Bango. Mais c'est ça le bouddhisme. C'est-à-dire, ça n'a pas de ça, il y a un goyi, mais que toucher pour qu'on ait été. C'est ça. Les camions de Kwanobia, il y a population. C'est vrai, il y a souvent 15 millions d'habitants. Mais l'air beaucoup de gens qui ont été arrêtés, il y en a qui habitent sur nos cocotams, ça m'a beaucoup. C'est parce que Kassavou et Zagibi a 15 millions d'habitants, 30 millions d'habitants. Tout le monde a quitté Kabilata, mon Colombien, mon côté Joseph. Allez là que non, dès que nous avons congé Boye, ceux qui sont dans ce c'est parce que la population a l'air, il y a beaucoup de Zagibi, 60 millions d'habitants, 90 millions. Pour nous, il y a des gens qui ceux qui passent dans le combo, ils vont que Nathan Mouana, tu sais qu'il y a une congé, oh, peuple, comme il est belé. Mais que diront les Chinois, mon frère, les Chinois, ils ont 1 milliard. Parce que vous avez dit que la population est allée facter l'aide de facter, il y a des mouvements en boca. Comment la télévision comme ça peut dire que l'autre n'a pas si c'est parce que comme il est belé. Alors que l'apport humain, les facteurs, ils ont facteurs clés à développement. Battu. Les Chine, il y a 1 milliard. Ils allaient mettre tout ça en face, il y a battu comme ça, incapable, incompétent. Ils ont eu des déclarations au salaire. Alors, écoute bien, quand même un peu. Équilibré dans le raisonnement, habité, Bakambazo, ça n'a pas de sonné. Pourquoi par culture politique ou par maturité politique
Pourquoi bah quoi yo canaté que bah ça parce que le Cameroun va en place biblique. Voilà la, 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 ça, il est, voilà comment il réfléchit quand même. Pour moi comme madame Naomi, moi que ça bisonios. Ko bon moi que ça bisonios. Ko ta la boye le tout le monde a 5 ans. A comme on a que to vite que Kabila moko yo. A comme ça au paradis. To vite que Kabila a ça qui moko so ginde là on sera des aventuriers. Mais quand même et si quand tu es mort, tu m'as dit qu'il requit les alliés. Bon. Requit les armes, c'est si le plan sécuritaire. Héritage. Il n'est pas, il y a pour lier, il y a pour mener. Héritage. Mais le petit kaki pour que tu sais qu'il y a ça la mieux. Ndeko, il y a ce qu'on appelle la continuité de l'État. Ndeko, tu sais qu'il dépasse ma salle dans position pendant 37 ans. Ça dit, bah, vous autres, tout le monde qui na FCC, na Kabila, vous autres, tout le monde qui mouké, na voilà, tout le monde qui tout comme vous n'avez pas une abondance. Mais juste ça s'est empiré. Les camps de tournement. Oh, bah, on va décrire qu'il y a un R, il y a Kabila. Il y a un autre monde à l'élo. Parlons de. Et comme il coûte normal, il va tenir comme intouchable. Parlons de ces budgets. Kabila, tu qui vous dollars dans 16 000. Parce que, n'est-ce que on ne peut pas parler de gouvernement qui réussit. Bah, t'as la rango, l'un des indicateurs, il y a ma co-économique à Mboka. Et ça, une stabilité monétaire et des prix. Kabila, tu qui dollars dans combien? Tu qui va bilan, on a pris ni le raison dans combien? C'est ça, on doit parler de ça. Mais alors, sinon, de quoi on parle? Kabila Tiki, Azo Kenda Tiki, RDC Mobimba, Pessine de Koti, c'est que dit le Bounaga des Lamas, il y a Babamouna, ça fait plus de 2 ans, on ne sait même pas les jours qu'on va les récupérer. Alors, de quoi on parle, madame? Des programmes, des bons mots, de côté, il y a des programmes, il y a un gouvernement soumis, noir, Nao, Italie, Bidje, Monsolo déjà, Babissi, Bissou et Sali, Nicolas. De Konangaï, Naomi, Omoni, de Konazo, Kolandaka, de Konenga, Lobby, Nathan, Oyo, Tosui, Tozo, Gozoa, et ça sonne, même hier, mon copé à Lobby, Ango, et ça passe, Pemawa, et ça, ma camarade, les gars, qu'on traitait à l'interne. Mais quand il y a ma place biblique, c'est-à-dire, et ça passe, ça manque de qualité politique qui gagne l'union secrète. Ça dit, bon, voyez, on a besoin d'un intérêt dans le banc, il y a au moins une décotirage, je vous conseille. Parce que nous avons été maintenant au gros salam salam. Donc c'est comme si tu disais qu'il y a comme président de la République, Mbounoyo. Alors c'est quelqu'un qui a fait déjà 5 ans de pouvoir, autre que ça fait 6 ans. Mais nous disons que non, maintenant au gros salam salam. Des gens qui n'ont rien foutu pendant 6 ans et ils nous disent ici que maintenant, bah, ça la mousse à 4 ans. Alors, au-delà de 10 milliards, une boutique qui en a 5 milliards. Au moins, maman Naomi, bah, le bac qui disait 14 milliards de dollars dans l'île et mon on a quitté, moi, quand je suis en train de me faire un peu de temps, je suis pouvoir depuis 2019, le 20 janvier 2019. Voilà, ce que en 2024, après ta serment un peu le 19 janvier, si je ne m'abuse. Mais ce côté-là, le mois de janvier, si le commis dans le mois de mai, tu sais combien de mois pour gouverner Bima? Dans le bactère politique, tu es conscient. Dans le niveau, il y a une sécurité dans le Mboka. Chutez moi la boca. Oh, Mboka, ils sont partis avec les bandes. Mais si tu as battu Mboka, tu n'as jamais vu dans le Mboka dans l'histoire d'un autre pays. C'est-à-dire que ces gens-là sont identifiables. Que ce qui pendant 6 mois, plus de 100 millions d'habitants, bas ça privé d'un gouvernement, et ça n'est pas un bon soin, c'est parce que Ben Badouli n'a pas en été, c'est parce que Kamer Azoui n'a pas en été, c'est parce que Bahati Azoui n'a pas en été, c'est pourquoi plus de 100 millions d'habitants devaient être bloqués. Très bien. 6 mois après, tout le monde gouvernement, la Ligue nationale, on va se faire retourner à la Ligue. 6 mois après, tu as soi-disant gouvernement de Robima. Tu as dit que le gouvernement de Robima était extraterrestre. Mais tout le monde dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu moi, dans moi, si on bâtit ministre et premier ministre, c'est ça qui est ministre à plan. C'est une maman. Moi, dans moi, si ça. C'est ça l'ingala. C'est ça l'ingala. La dame ici qu'on vient de nommer premier ministre, la dame ici. L'ingala, c'est ça qui est le ministre à plan. Maman, on a pas goûté premier ministre, on a dit ministre à plan. Il y a une initiatrice, il y a un projet à 145 jours. Et nous, on est dans 145 territoires. Ceux qui ont suivi, tout le monde, tout le monde, Nani, Bemba, Batille, ministre économie. Oh, ça dit, parce que tout ça, tout le monde, on a gouverné, Bimi, Bazoui, 10 milliards, Nadi, mais on a ça, tout le monde, maintenant, parce que nous sommes en science, nous disons que le premier ministre est le primus. Inter pares, le premier entre les pères. Azali, ministre, mais c'est lui qui coordonne
l'action gouvernementale. Donc, ce que je dis au gouvernement, il faut que je par rapport au ministère. Tout ça, ça peut bâtir un ministre de l'économie. De l'économie à moi aussi. Le gouvernement, il y a un vice-premier ministre de la défense. A tiré que soit à 1 cm, ma belle tête de pied, ma canne, ma canne, à 1 cm. Slogan, comment il respire, stratégie, il s'est dit, par contre, on a canne à baillon. Au juillet, au nom de l'ONOTIE, dans le ministère, ils ont très sensible, ils ont béni, l'économie en bourse, ils ont beaucoup. Alors que, Azalaki, déjà, Azalaki, DG, il y a Sibé, il y a Papa Naye. Oh, ça, là, rien, puisque rien, puisque toi, la chasse, tu as dit que 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 Abomi Sibé Zahir, société de transport, Abomi FNMA, bah bien pour ton héritage, il y a papa Naye, bah tiens qui liquidateur, n'a pas de raison, il y a un liquidateur, bah bien sûr, Jérôme Mabé, mais bah je vais appeler l'économie en moque. Bon, je suis net, il m'a net, Didier, qui n'a rien foutu. Donc, en fait, madame, en fait, toi, on a passé, nous sommes en face des gens qui ne savent pas quoi faire. Présent ma distraction, il n'y aura rien de bon. Merci parce beaucoup. Parce que tant au basali, dans les locaux bimisi, c'est une distraction, il n'y aura rien parce que des gens pareils qui n'ont rien foutu pendant les 6 ans au pouvoir. Et vous croyez qu'ils vont faire quelque chose très dans, bien. Dans des entreprises Domingue Monamboka, Ndeko Joseph Malumbo Karayo, nous parlons chiffres depuis Boyen au pouvoir. Bon, mais les bichos, les chiffres, mais oh non. Budget mati 10 milliards, 14 milliards, 16 milliards, le lobby, tu commandes 18 milliards et dans 5 ans à venir, tu peux atteindre 92 milliards. Solo, la monnaie est en boca Congo, ils allaient malonga pesate, mais en termes de chiffres, depuis Bamboula et Leki, ils ont quand même ébélé par rapport au Tubandé Kosa na Bamboula Moussous. Mais impact sur merci. La société, merci. Impact là. Via population. Les années, ils ont mon à la tête pour l'année. Avantage, depuis que je suis dans la partie de la société, mais il y a une FCC. Donc, c'est-à-dire la réalité autour de la Kabylie à éviter. Je vais vous apprendre de ce que vous ne connaissez pas sur M. Kabila. Qui, du reste, ce n'est pas son vrai nom. Comme Yoka, et aux yeux de sur le lobby, sur le lobby. D'ailleurs, vous êtes un monsieur irrespectueux des femmes. Tu l'as taxé d'impoli, mais le langage léger que vous avez utilisé sur ces plateaux, au même qu'on change en français simité, et ça léger. Mon frère, tu as raison parce qu'il manque de vocabulaire. Moi, là, moi, si, yo. C'est la femme de M. Roger Toluca. Une femme de principe, une femme de valeur, une mère de famille, qui a plus de diplômes que vous, qui a plus d'expérience de la vie que vous. Mais moi, si vous nommé Premier ministre, quelle légèreté. Première des choses. Deuxième des choses. Monsieur Kabila, en plein palais du peuple, discours, Congolais, Bazolanda, Samakata Pogno, les peuples ne vont pas manger le macroéconomique. Vous étiez où? Pendant que vous avez une FCCT, parce qu'on y a qui Kimukolo. Deuxième des choses. Monsieur, vous ne maîtrisez même pas l'inflation. Vous le dites à politologue. C'est-à-dire, politologue. Bazoara, cours et à loi des finances. Je salue le professeur, le CT Makolo, et tous les professeurs qui m'ont enseigné en Sciences Po. Madame, Laurent Désiré Kabila a sali, parce que tu n'as pas les stylos pour écrire, monsieur. Tu as des trous d'air d'histoire. A créé, à sali monnaie franc-congolais. Le dollar était 1 franc point 20. Laurent Désiré Kabila a longué dans le pouvoir à tiki dollar à 46 000. Ça fait combien de pourcentage d'inflation. Yé, Moutouna Bango, Joseph Kabila. A hauteur de fête anniversaire, joyeux anniversaire, ma boutama dans des endroits différents. Mourona Ewaboa, Mourona Tanzanie. Azudola, on a 46 000. Amémian Otina, 160 000, c'est 300% d'inflation. Vous savez ce cas? C'est comme ta couille, Navilo. Monsieur Valembe! N'a pas qu'on enseigne l'histoire. On doit de la population. Maintenant, Toké n'a pas qu'à détournement. Il veut montrer à l'opinion que c'est sous Félix qu'il y a des grands voleurs depuis que le Congo existe. N'a de 2007 à 2012, la production minière de la RDC, c'est 41 milliards de dollars. 1 milliard de dollars est quota dans le circuit. Il n'y a que c'est à l'État. Le 5 mai 2015, ma tante en pogne dont vous avez fait mention qu'il devait fermer sa bouche, à qui
que lancer par travaux, il y a marché moderne à Maluku, c'est 100 millions de dollars. Monsieur Joseph Kabila, c'est pas son vrai nom, à quel aéroport international en Algérie, construction et aéroport, tous ces fonds décaissés, 560 millions de dollars, ici à Algérie. Oh, bon, on a même dans les réseaux sociaux, comme ça, qu'on va Kamundele. Oui, José Makila Zotala. Ces messieurs du PPRD, FCC, je ne sais pas quoi, ils veulent nous donner les leçons de morale, ces messieurs. Tout que madame n'a pas chiffre. Joseph Kabila, pas de son vrai nom, a sali 6700, 6800 jours de pouvoir. Comptez en termes de jours, Félix, a sali combien, mais je vais te dire, il n'a aucun chiffre. Bah, il y a gratuité enseignement. Ces gens sont moins sérieux. Bah, le bien, hein, vous allez dans la première primaire, dans la deuxième primaire, mais dans la milliers ruraux. Pas dans de grandes villes. Mais Félix arrive au pouvoir. Il établit, voilà, les chiffres avérés. Banque mondiale, UNESCO, avéré. 2 milliards de dollars par an, c'est l'équivalent aujourd'hui, au Banoba Kotina, dans le circuit scolaire, c'est entre 5 et 6 millions d'habitants, c'est l'équivalent du Congo-Brazzaville. Madame Félix Ayatche, couverture santé universelle. Première phase, il y a gratuité maternité. 12 provinces sont affectées, 13e c'est le Congo central. Ces messieurs, ils peuvent nous dire quelles sont les politiques publiques pendant 18 ans, ils ont mis en place. Ces messieurs ici, ces messieurs, ils sont pas sérieux. Messieurs du FCC, kabiliste avancé en âge, qui est venu en retard, qui n'a jamais connu ce que c'est la Kabylie. Messieurs, pendant Joseph Kabila, Alobi Bakangi Gloria, Senga, il nous explique. Mais Jimmy Kitenge va lui dire, il a dit quoi? Que Balingi Baboma, Joseph Kabila n'a régime. Bakanga est pas déterminé qui sont les commanditaires de sa mort. Parce que leur monsieur est protégé par des lois spécifiques. Oh, il a taillé par monsieur aux mesures. Mais je vais vous expliquer. Pendant Joseph Kabila, en 18 ans, 12 journalistes sont tués. Keno Talana jette. Plus de 6687 et quelques personnes ont connu des violations de droits et de leurs libertés. Est-ce que toi, tu peux nous regarder dans le droit, dans les yeux? Tu nous parles d'arrestation. Messieurs le PPRD, le FCC, messieurs... En termes de liberté et de droit, est-ce que ça a changé? Ça a changé parce que combien de journalistes se sont tués pendant le régime de Félix? J'ai vu ici Franck Ngike. J'ai vu des enfants pleurer. Ils ont été tués comme ça parce que ils ont révélé que mon ami, c'est qu'il y en a à Tanzanie. Donc, nos militants ont été brûlés vifs par le régime de M. Kabila. Étienne Tshisekedi rentre du voyage pendant la campagne électorale. Moi, j'étais là. On a transporté les corps que vous avez volés. Jusqu'aujourd'hui, tout le monde a été. La permanence a parti. On a été visé comme ça, bout pourtant, par l'ancien garde républicaine. Calciné. Calciné. Toi, tu veux nous enseigner ici sur ce plateau? Vous devez vous taire, vous, de kabilistes. Messieurs, n'a qu'à encore plus loin. Le contrat sino-congolaise. Vous avez bradé nos minéraux pour 25 ans. Madame, la production, la partie chinoise a engagé ses parts. Mais eux, ils nous ont cédé nos minéraux pour 25 ans. C'est Félix qui a renégocié. Aujourd'hui, on a capté plus de 7 milliards de dollars. Mais demandez où ils ont mis l'argent. Où ils ont mis l'argent du contribuable congolais pour 25 ans. Eux, ils me regardent. Messieurs, toi, tu pourrais être plus sérieux politiquement ici? Madame, toquez le programme. Moi, je suis Oya Zoloba. Madame, il faut lire le programme du gouvernement. À l'oubli, hein, il y a 6 axes du président de la République. C'est clair et limpide. Ce n'est pas comme révolution de la modernité, 5 chantiers qui n'étaient que du bluff. Mais à l'oubli, na Katiwana, nous avons 18 milliards par an. Mais c'est faisable. À l'oubli, pendant Joseph Kabila, les gens vivaient mieux que ceux. Mais c'est fou et archi faux. Ça, c'est un mensonge grossier. Madame, mensonge grossier. Même Yemoko, Yemo Alobaki qui n'a pas 15 personnes, toi tu étais où? Madame, ce qu'on suit inflation de 300%, allez voir ce qu'il y avait dans le marché. La souffrance était atroce. Mais nous allons expliquer le Romoko. Aujourd'hui, eux, ils ont laissé plus de 384 000 agents de l'État non retraités. Bah, tu as 100 ans, bah, tu as mis ma madame. Bah, tu as 90 ans, bah, 80 ans, bah, 70 ans. Bango. Mais Félix arrive au pouvoir, a commis qu'on retraitait, bah, 10 000 sont allés en retraite. Matat en pognon. Le dernier retraité à Fouta, c'était 2 000 dollars. Mais sous Félix, c'est 8 000 dollars et abîmé avec honneur. Kabila Tiki, 220 000 NUNP, la fonction publique. Aujourd'hui, 200 000 sont entrés dans le circuit à paiement et à mécanisation. Mais ces messieurs, ils viennent avec légèreté, ils croient que
Heureusement que tu es tombé sur un roc. Puisque j'en arrive. J'en arrive. J'en arrive. J'en arrive. Parlons-en. Parlons-en. C'est vrai qu'il y a des problèmes structurels par rapport au prix. Je ne peux pas dire le contraire. Je ne peux pas dire le contraire. Mais cette période n'est pas noire par rapport à la période il y a Kabila. Il y a 18 ans. Non, et à Chifo. Allez voir ce qui s'est passé. Donc, c'est mieux. Non, je ne dis pas c'est mieux. Il y a des problèmes structurels. Tokéi, madame, oh, moi, madame Najusité, j'apprends à ces messieurs qui se bombent le torse, kabilistes, ménopausés. Voilà. Je vous apprends que Kabila ne reviendra plus au pouvoir dans ses pays. Madame. Elle serait devoir revenir. Oh, tu vois, tada. J'étais. Tant que j'ai abandonné le bas, on a dit. Madame. Madame, n'azo qu'on exorcise. N'azo qu'on chité. Non, il serait mieux que je parle en quelques secondes du programme. Madame. Chité. Madame, je vous regarde droit dans les yeux. Le seul président qui est venu, qui pense à la postérité, c'est Félix. Et ils ont construit des biens privés. Je dis des biens privés. Dans tout, je t'apprends, le monsieur que tu défends, il a plus de 78 entreprises. Je peux commencer à citer 14 comme ça ici. Je dis. Ah oui. Vous dites que Kabila tiki Félix avec une, avec une big, donc, tu connais pas, des chambres. Nassali. Mais il a fait 18 ans. Merci beaucoup. Mais Félix va partir. Nazo se retirer. Nazo, mais la première fois de parole, Nazo Solaïm, Félix va quitter le pouvoir. Vous savez qu'est-ce qu'il va laisser au président qui viendra? Un palais présidentiel digne de ce nom. Merci beaucoup. Ah, il va parler. Je vous reviens. Deux ans, Makanissien, moi, Lamboka, autour de chiffres 6,4 millions d'emplois pour les 5 ans à venir. Est-ce faisable? Est-ce la monnaie de Lamboka Congo et la quittance de Zayango budget? C'est vrai que dans le compte de la maman soumise à couper ça avant tout analyser. Est-ce que le chiffre que vous avez coupé sa mission? Madame Naomi, j'ai assisté à un débat. Il y a ma politique mibale. Il faudrait souligner que différents ces alliés parce que baron baza bahi politique, on a alliés journalistes. Okay. Mon boulot à moi, c'est d'exposer les faits et d'en commenter. Et ils sont en train de politiquer. Quand je regarde prévision budgétaire, la chiffre haut et alliés les lots. Je me dis que c'est des bonnes intentions. Daniela Lobate Gezali, chapelet à bonnes intentions, mais je trouve que quand on est homme d'État, on doit définir des très bonnes politiques publiques pour garantir un Congo digne, efficient et efficace dans Baïba Koya Lobby. Je ne voudrais pas rappeler qu'à l'époque, sous Kabila, toi là qui dans 4 milliards, est-ce qu'il y avait un impact dans le panier de la ménagère? Il faudrait tout ça la micro-baladeur pour que la population nous réponde. Moi, je suis toujours mal à l'aise de comparer le président Kabila et le président Tshisekedi. Pourquoi? Je me dis que chacun a un rôle à jouer. Kabila a fait ce qu'il pouvait faire. Et j'avais beaucoup d'estime quand j'ai vu un jeune homme de 29 ans prendre les pouvoirs dans un pays déchiré. Il faudrait se rappeler que ce n'était pas facile. Et inexpérimenté. Quelqu'un qui n'a pas fait le lycée français, qui a grandi dans le maquis, mais il a reçu tant soit paix à unifier le pays. Je n'ai jamais été kabiliste, mais je regarde les faits. J'ai compris que Kabila a fait ce qu'il pouvait, malgré que Bissoba Congolais, tout y kala na soif, Yamarambouibélo et Salemate. Quand on l'a vu jeune, vif, on s'est dit non, mais ces messieurs peuvent amener les Congos très loin. Malheureusement, Kabila Amimakibisona est le roi doté. Mais il ne faudrait pas le crucifier pour ça. Tu sais qui dit. Il a fait sa part. Pardon? Il a fait sa part. Il a fait sa part et on l'applaudit. Je ne voudrais pas que l'on puisse le crucifier. Parce que s'il faut regarder dans ce qui est négatif, Mbouga est évolué. Moi, je regarde l'histoire des pays émergents. À chaque fois, pour mémoire de la date d'indépendance, c'est rappelé qu'il a fait douloureté. Il regarde l'histoire par le passé. Il dit, mais là, on avait commis des bévues et des bavures. Que peut-on faire pour relever la tête? Il fallait que M. Tshisekedi, le président Tshisekedi, regarde tout simplement ce qu'a été la gestion de son prédécesseur et comprend là où ça n'a pas tenu. N'est-ce question, il y a qu'au diversifier l'économie. Madame, c'est une question qui date.
C'est une question qui doit être réchauffée à tout moment. Parce que les minéraux que nous avons, ils ont la matière moko épuisable. Mais si, par exemple, à l'échelle 2050, les minéraux n'ont pas besoin de s'en et s'épuiser, tu auras un gâchis. Si l'économie n'est pas diversifiée. Quand j'ai feuilleté les programmes, il y a Madame Souminois, j'ai beaucoup loué les 6 axes prioritaires. Parce qu'on parle également de la diversification de l'économie. On parle de l'emploi, on parle de la sécurité. C'est vrai, les lots, il y a des tensions dans la partie orientale. Ça tire à balles réelles. Nos mamans, nos petites sœurs tombent parce que l'ennemi veut prendre un pan de notre pays. Mais est-ce qu'il fallait dire que c'est Kabila qui est à l'origine de cette insécurité? Moi, j'ai dit non. Kabila n'est plus au pouvoir. C'est le président Tshisekedi qui est là. C'est lui qui a, il a nommé quelqu'un à la défense nationale. Il faudrait me dissocier dans un débat, il y a pas politique. J'aime bien ce que les politiques font. Les politiques se rappellent là où ça n'a pas marché. Et surtout que l'opposition a un rôle de donner les coups bas aux dirigeants pour les relever. Et le pouvoir aussi ne peut pas se laisser faire. Mais Nana Yotokotalaraba fait. Est-ce que Kabila était un monstre? Je dis non. Mais c'est vrai que le président Kabila a pèsé sa biseau autour de la tête. Est-ce que le président Tshisekedi a coupé sa biseau autour de la tête? On attend qu'il finisse son second mandat pour que Nana Yotokotalaraba fait, tout à la baffée. Le budget qui est proposé, on applaudit. C'est pour l'État. Et tant où Ndekoya Peperde à lobby était FCC, Azotuna ba question impact direct na veki na biso ba imbo ka petit peuple. C'est un bon questionnement. Parce que Tolingi t'es à la politique spectaculaire, qu'on nous brandisse des chiffres pour nous amuser. Ou tout simplement pour l'axe été qui a la volonté de fermer et de corriger. On voudrait l'Okwezala. Yamakas, déjà ces budgets-là pour un pays comme le nôtre. Ils en ont insignifiant comparativement à Abidjan Yangola. Mais quand même, ce sont des bons pas. Au premier mandat, on avait ce qu'on avait. Au second mandat, il y a ce qu'il y aura. Mais seulement, je voudrais que tout topé ça, moi-ci, place là. Et c'est important. Parce que vous savez, ma combat, ma Simone de Beauvoir, et là, ma combat, Kakaya. Il y a Bissot, ma papa. Parce que les femmes ont été marginalisées depuis un certain moment. Les locaux, qui les démontraient le contraire. Regardez sur le plateau. C'est 3 hommes qui sont questionnés par une femme. Donc, te retraiter, moi, si oyoté. Parce que c'est déjà, on est affaire à une élite. Là, ma banziété, moi, du Bako, il y a Koloba, et Zala, qui n'est de toute façon, donc, en voulant en dégoûter, ça, on l'ingala, les apôtres. Moi, tout ce que je veux pour ce nouveau gouvernement, et qu'il va travailler bien. Mais pour les castings. Mais attendez, madame. Il s'agit de notre gouvernement. Il s'agit de nos ministres. Si on estime qu'on a nommé quelqu'un qui n'a pas compétence, quelqu'un qui n'a pas qualité, que voulez-vous? On ne va pas rester calme. Dans ce pays, madame, moi j'ai suivi personnellement Didier Boudimou nommé au ministère des hydrocarbures, dire qu'il a fait la formation d'une semaine. Mais c'est inconcevable. On a besoin des technocrates. C'est sous Tshisekedi qu'on a vu qui c'est là. Et on condamne. Parce qu'on connaît la probité morale de Tshisekedi. Ils ont fait autant d'années dans l'opposition. C'est pour amener le pays là où Kabila n'a pas su amener le pays. On ne peut pas avoir des ministres stagiaires à la tête du pays. Pour que le remaniement et ça les matés n'a un temps étriqué. Merci beaucoup, Moya Mboka. Nous allons prendre la question sécuritaire parce que Mokoyaba pilier, il y a programme Toulou Kasumino et Sali Bongo, sécurité pour tous. Maman Alobi, Moksoreko, Kota Penza, Nangambouana, au-delà de la diversifier économie, au-delà de l'emploi, au-delà de la service public, au Motouna Sokozana, accès à Nango, et ça, la question sécuritaire, et ça, Penza, Mokoyaba pilier, pe priorité, de priorité, Natango, Lobi Moleki, na ni moi, Mboutumboutou et Sali, Maki, et avec le week-end, Bissika, et bien, on parle d'une soixantaine de morts, Bakoyaki, dans les Kambouango, Nanzela, il y a Bataku et Salimaki, Naba Adef, Adef, Bazavanani, Bao, Soura, Pipe, moi, Mazo, revendiqué, Ninchi, il faut parler des réactions du gouvernement, et à Kinshasa, de Jean-Claude, Jean-Paul Kazamba, Malbombo, Kayo, puis toujours Kende, Nasuka, émission. Merci, maman Naomi. Je suis le point de vue. Je suis en tout cas, je suis en train de faire une apologie à l'assassinat. Je suis en train de faire une liberté de manifestation, liberté d'expression.
Ça dit, ça bat tout le monde, le bandeko, batala, oyo, oyo, malam, ou ya kabila, basu, ya ou ba combat, ko banango. Mais ça dit que le nom kabila, comme modèle, n'a pas mot. Que n'a l'air, n'a bien, va détourner ça, m'a dit combien. Voilà les raisonnements. Oh, bah, toi, tu y as été, toi, tu n'as pas de télévision, quoi, là. Y a pas de combien, quoi, yo, quand on n'a pas besoin, même dans Bali, n'a pas mot. Eh, bah, on peut attendre, on a pas bali, bagi, oh, ça peut tout, on a mis ça. Et c'est de cette façon, vraiment, notre frère peut tenir un raisonnement comme ça dans la télévision. Car bon, on attend, on va détourner ça, qui voit. C'est-à-dire il fait foi aux gens que les tournages les assurent parce que c'est Bandaka là. Maintenant, je comprends pourquoi ils sont dans ma cala. Au commun, tout le monde a détourné 1 million à ça dans ma cala. Tout le monde est dehors. Sur ça, il va battre maman comme ministre, battre ministre économique, Bandongo battre président de l'Assemblée nationale. Pour n'aille, il faut battre ma coup fébélé. Pour pas que tu serais un dictateur. Mais le coup de maman, alors il mord de trop. J'ai gagné à Zawapi. J'ai évoqué dans Zawapi. Hein, ma moi, c'est à Zawapi. Ça dit que. Non, écoutez. Officiel. Au moins, Babilo Kaboye, ça c'est un garçon intelligent. Eh, hey, monsieur. Alors, notre frère. Ah, toi, non, tu as un problème. Hein. Les copines, on va combo, on va Babilo Kambo. Je suis un monsieur. Un homme intelligent, un monsieur intelligent. Oui. Un frère intelligent. Oui. Mais quand tu as le raisonnement, il y a un homme qui. Babilo Kaboye, il y a une dépêche, il va tourner dans Moutou. Oh. Oui! Azo tout n'a que bino voyé dans mon coin, je vous saline. Kabila a été à saline. Kabila a demandé quoi compléter là. Aïe dans mon coin, il a 29 ans. A coûté mon coin divisé par 4. A tiré la lettre, bamote. Y a voulu la boutou moi. Mon coin a coûté divisé par 4 dans sa dégaine. A ban aura quitté papa naïe, toi ban aura quitté mon boutou. A tiré pour ça la monte. Il s'est bâti de lui-même, t'y a réunifié mon coin. Ou ban aura son cocaté. Ma piste, ma bombe, 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 ma bombe. C'est-à-dire que chaque jour qui passait, à ce que ça il perfectionnait son pouvoir, sa gestion de la chose publique. Par rapport à Bango, vivre dans tâtonnement, malgré leur âge. Si les gens sont dans le service renseignement, parce que tu as le salaire de je n'ai jamais dit, je ne le dirai jamais, mon frère. Mais les autres pays, ça passe, bino y des pèses. Ça on a 6 ans. Oh, attends, moi, on a 5 ans à Yébi. Kabila fait son constitution. Kabila organisé l'élection en 2006. Là, il y a maintenant, quelle que soit sa forme, organisé l'élection en 2006. Organisé l'élection en 2011. Mais dans la élection, organisée en 2024, madame. Est-ce qu'on a repéré une élection? Mboka na biso élection ça et nokwa sikati ça nous voter tout ça en 2006 tout ça en 2011 na bayere moke ça qui mais abamu fait ça plus perfectionné la CPL de Google va casser lettre à quoi que nous belangai dans l'élection il ne pèse ça na mboka oyo par rapport à Kabila sala tu mets ta Kabila tricherie ça qui était mais toi maintenant sur le plan même organisationnel nga na soit que moi chance vous a président biko de vote en 2006. Mais nationaux, dans mon lien, bah mon dingue, bossotonini. Tout monde va bien au sud, tout monde pour la première fois dans mon cannabiso, élection ça une semaine. Et tiens, vous savez, dans mon avenir, pas de. Il va venir Kabila sala, il y a ça, ça va camou ya, ya kobota. Kobota ofélé. C'est ça. Il y a des choses à faire chantier. Bon, on vient le peuple d'abord. Pourquoi je suis capable de faire de l'homme Mozawan? Ce que vous avez à moi, que pour vous avez sonné. Maman Naomi, les Kamotuninga, qui sont les Aguissi, Mboka, dans des pays normaux, ce n'est pas l'État qui crée des emplois. L'État assainit l'environnement sécuritaire, économique. Oh, ils appellent, toi, tu es un employé. Entre vous, l'État, c'est ça, privé. L'État peut créer, l'État ça fait partie, création d'emplois pour l'État, ça fait partie de ce qu'on appelle des missions modernes de l'État. C'est-à-dire, Moussala Yassika l'État. Mais l'État, par sa conception, n'est pas là pour créer des emplois. L'État, c'est ce qu'on appelle des missions régaliennes. La sécurité des personnes et de leurs biens,
garantir l'ordre public, garantir l'intégrité territoriale. Ça, ce sont les missions régaliennes traditionnelles de l'État. Mais la création d'emplois fait partie de la mission moderne, c'est-à-dire l'État a sans la paix Banzela, l'État a créé un emploi, privé a créé un emploi, privé a créé une école, a créé un hôpital, l'État a créé une école. Ça, ce sont des missions modernes. Mais dans les missions traditionnelles, quel est cet investisseur sérieux aujourd'hui pour créer le Congo? Malandaka, Ndeko, Nani, Alinguette, Ake Napoto, Batou, Bisto, Goyen, Akongo, Ndengeni, avec la guerre qui se vit, dans Moganabino. On ne sera pas jamais investi. Au moins, Ndeko, Naomi, un investisseur, Babega, dans la science économique, un gibier péré. Vous avez un milliard, Naye, Poye, Azo, Banga, Fouata, Tata, Yosso, Rosu, moi, 1000 dollars, pour Fouata, Soi, le Kofou, Yébé, c'est un gibier péré. Et là, vous voyez, ça, c'est bête, Akona. Alinguette, habite, guerre, et ça, aussi, qu'elle est à 2000 km. Donc, pour la banque, RD, c'est ça qui s'assa. Très bien. Alors, investisseur, si on a joué, il y a tantôt, peut-être, on dit là, il y a un goma. Quel est cet investisseur sérieux? Oh, il y a un goma, l'élo. Ton aboukaf. Oh, il y a que peut-être d'un bon matin, bako botra mokawana. Oh, il y a un goma, il y a un goma. Mais quel est aussi cet investisseur sérieux? Qui peut venir à Kinshasa, tout le monde qui est de côté, c'est qu'il dit. Et puis dans tout ça, lorsque vous y allez chercher des autres personnes, il faut mettre un peu du sérieux dans Moussa, dans une épaisse. Merci beaucoup. Il y a tout dit. Donc, Bozan a mis Moko et Akosakanate, à batterie, Moko et Akosakanate. Il y a pas d'autres six ans. Bon, on a aussi ça. On a aussi ça. Donc, il y a de côté, c'est qu'il y a quel pote à la visite d'État. À qui il y a plus de 300 personnes. Oh, Kabila, tu as au bout de la tête, tu as 300 personnes. Na bam bam pas ce mec na ye ba na ye mundele na la chance Élysée na palais présidentiel mundele atelier mi soyete na nya kota te visite d'état c'est à dire ska boke bobo sur la makambu ya tali mboka ok na ba ndeko na yo na 300 mundele a comme perdu na protocole to comme quand même besoin de raconter comme mali banda atu na nani wapi mwana président wapi ya kota ba tout ba Christophe ba tika libanda. Bah, moi, il y a un bâtiment qui est là. Mais comment je vais vous prendre au sérieux comme ça, monsieur? Merci. Ça ne se passe pas comme ça. Merci beaucoup, mon amour. Donc, un bonjour qui est dans la Bible, on a pas appelé visite d'État. Est-ce que vous avez un déconnu Bible? Peut-être que vous avez une occasion pour que vous avez un ami. Vous avez un hôtel, vous avez un hôtel, vous avez un petit. Merci beaucoup. Merci. Vous avez un cinéma. Merci. Vous destruisez, vous avez désacralisé les pouvoirs publics. Vous les savez très bien. Merci. Et tout le monde depuis de ça, le savent. Merci. Que c'est bien destructuré. Vous avez désacralisé la RDC. S'il vous plaît, tout évolue. Ndeko, Joseph Mbenta, la question sur état de siège. Déjà plus de 2 ans depuis ton côté qui n'a été à Angou, tu as dit que les vraies options, il y a qu'on a un peu malembe, mais la situation sur le terrain, solo était, Penza Lolenge, et Sengela qui était de l'Oba ADF, va continuer pour Boma. Plus de 80 personnes, va confier sous le gouvernement congolais, à condamner, puis à la qui Kokunda Bibembe. Est-ce une réaction responsable? Je présente mes condoléances à la famille au pouvoir. Voilà comment on fait. Donc, bien notion même, il y a beaucoup de choses à l'envoûté. Mais, Abani. Madame, je suis à Kangaye. Zanga, tu es à mon oro. Kangaye, parce que je crois que non, le monsieur qui a taxé mon frère. Excusez-moi. Moi, je croyais que, pour ma dose, n'a pas ça qui tu pouvais descendre, mais comme aux Zongi, Bouna, au Matasus. Je comprends, mon frère est journaliste. Moi, je suis politique. Je vais te rencontrer là où tu es. Je présente mes condoléances au nom de l'IDPS et du secrétaire général aux familles éprouvées. Nous avons une situation, parce que c'est de la géographie politique, c'est-à-dire ma belle, ma richesse, les appels sources à conflit. Oui, ça dit que, et ma cause exogène, ils ont impacté dans ma cause endogène. Endogène, nous-mêmes Congolais, nous sommes responsables de l'insécurité parce que nous avons des groupes armés locaux. Deuxièmement, il y a des groupes armés étrangers qui opèrent en République démocratique du Congo, d'autres en connivence avec des groupes armés congolais pour l'exploitation des minéraux, parce que Bando Tekamo. Deuxième fait, ce sont des multinationales et d'autres pays de la sous-région qui influent pour que l'instabilité, l'insécurité persiste, parce que ça leur fait vivre. Parce qu'un Congo stable, ils ne seront pas capables, et on RDC, et pourtant qui Apple plainte. Et le président l'a dit clairement.
Mais ce qu'on sort, il y a une situation à conflit à l'est. Sur aux yeux, il tourne, il y a non qui vous. Lui, il n'a pas les, il ne peut pas dire ça. Parce que, ayez bien monté, hein, madame. Sur aux yeux, il y a non qui vous, qui tourne, c'est deux situations atypiques, mais, dans l'insécurité. Avant que le lieutenant Johnny Luboya Kachama, il y en a, comme gouverneur militaire, les gens se promenaient avec des têtes de personnes en plein Bounia. Pendant bon, bazin à pouvoir. Mais depuis que on a instauré l'état de siège na Ituri, l'épicentre, il y a conflit est commis à Djougou. Parce que c'est là où opère le Codeco. Moi, je donne des, parce que na Ituri, c'est un conflit intercommunautaire, où ils appellent un impact na Ouganda, parce qu'il y a un groupe armé criminel ougandais, des IFDF, qui influe na Ituri. Ce que, Moutaïf, c'est ça, Rouro Bamakambo, t'es pas bien monté. Maintenant, quand nous allons au Nord Kivu, au Nord Kivu, c'est différent. Là, nous faisons face à un problème que eux, ils nous ont laissé. Voilà ce qu'un enfant de 20, un monsieur de 29 ans nous a laissé. Madame, je rappelle aux Congolais. Je rappelle aux Congolais que Joseph Kabila nous a laissé une armée, apparemment. Mais la 4e armée, voilà, c'est une armée. Oh, sécurocrate. Bah, géopolitologue, une armée mosaïque et hétérogène. Je vais m'expliquer. D'accord, tu vois, on a connu ce qu'on appelle le mixage et le brassage, qui est une trahison. Parce que quand tu es président, tu prêtes serment. C'est au prix de ta vie. Mais, monsieur Joseph Kabila, là, j'évoque monsieur Olusegun Obasanjo, lors de la signature le 23 mars 2009, qui dit à leur frère, Remo Tshibanda, trois fois. Pourquoi vous signez cette histoire, vous aurez des problèmes. En ce moment-là, pendant ce moment-là, il y a eu le CNDP, le M23, et ils ont créé, ils ont voté une loi d'amnistie générale, faisant en sorte que tous les criminels qui étaient à l'Est sont venus même ici au Parlement, même dans ma institution. C'est eux, moi, on a 29 ans. Selon ma chiffre qu'ils nous ont donné, tous les mixages et brassages, c'était plus de 25 000 soldats brassés dans cette armée. Donc, des soldats qui n'ont pas été formés comme un militaire républicain. C'est des bandes de criminels qu'on a insérés dans cette armée. Et puis, Nakati Akorn Bango, lui peut-être ne le sait pas, mais M. Raymond Tshibanda, M. Joseph Kabila le savent. Que le commandement de l'Est du pays, c'est un commandement particulier. 43%. Il y a commandement des Banyamulenge, entre guillemets déguisés, mais en réalité des Rwandais. 39% Nord-Kivu. C'est pour cela, conséquence, il y a insécurité. Peut-être, il ne le sait pas. Pendant Joseph Kabila au pouvoir, Sultan Makenga attaque Bounagana. En 4 jours, il récupère le Goma. La première attaque du M23, en réalité, c'est le Rwanda, en avril 2022. Mais Goma n'est jamais tombé. Parce que l'objectif, Nazoya, laissez-moi, j'essaie, tous ont récupéré Bélé, j'en arrive. L'objectif des agresseurs, c'était de récupérer Goma pour pousser le gouvernement congolais à négocier comme eux, ils étaient faibles. En réalité, le M23, l'initiateur parmi, mon frère, je comprends, il est journaliste, c'est monsieur Joseph Kabila. Oh. Mais oui. C'est grave comme un... Je le dis, je le dis. Mais il y a monsieur, mais je le dis, je vais le prouver. Oui, que monsieur Aldo Aiello, il dit à la délégation congolaise, parce que lui, il était le représentant de l'Union africaine. Il dit à la délégation congolaise, mais je vois des criminels de l'armée rwandaise qui sont des sergents et des caporaux de l'armée rwandaise devenus des généraux et des colonels. En l'occurrence, Bokusko Taganda, les Mutegusi. Je dis des choses vraies. Il s'agit de pour rien. Moi, je dis des choses vraies. Maintenant, ce qui arrive à Beni. Parce que si vous regardez, quand on attaquait Mokanabiso et Kanyabayonga, l'objectif du Rwanda, c'était de récupérer Lubero et Gutemu. Et puis Beni. Mais comme nos militaires ont été capables de stopper et de les repousser très loin, c'est comme ça ils ont, avec certaines complicités, attaqué nos frères de Beni. Que je pleure. Donc, voilà un peu la situation. Maintenant, j'en reviens à ce qu'il a évoqué. Mais quand vous parlez de la question, il y a M23, ce qu'il faut qu'on rapidement, puisque l'émission de Kenasuka, sous Joseph Kabila, Oyo Zolbaza, initiateur, il y a M23, depuis 2013 plutôt, M23 a été sous-souté, il a été défait militairement, puisque le chef de l'État, Félix Tshisekedi, l'a reconnu aussi, et c'est sous Félix Tshisekedi que le mouvement est renaître, et qui tient ça, c'est que le président aussi a... Madame, où ça journaliste, le président l'a dit à Brazzaville, mais comment une rébellion qui a été défaite peut se renaître? Il a posé une question.
Allez vérifier la vidéo. Heureusement qu'il y a des gens qui disent maintenant, j'en arrive. Pourquoi? Lui, il ne le sait pas. Si vous prenez les accords de Roubaix en 2008-2009, tous les accords entre lui, son patron et Paul Kagame ont été signés soit à Gisenyi, soit à Roubaix. Non, jamais au Congo. Si vous allez au Nord Kivu, vous allez vous rendre compte de la situation, madame. Non, je chute maintenant. Messieurs, Joseph, 30 secondes. Je suis d'accord que monsieur Joseph Kabila a pris le pouvoir à 29 ans. Mais je vais t'expliquer ce que ce monsieur a fait de son pouvoir. Un, il s'est tapé Kashamata. Il s'est tapé Kingakati. Il s'est tapé des entreprises. Je respecte sa femme, je ne veux pas y entrer. Mais ce monsieur, le Congo l'a chargé totalement, complètement, de 29 ans jusqu'à ce qu'il a laissé le pouvoir. Voilà ce que le Congo a fait de ces messieurs. Donc, madame, il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Ce que nous vivons aujourd'hui, madame, je vous le dis, je vous le certifie. Si vous regardez aujourd'hui, nous avons récupéré combien de localités? Si vous allez au Nord Kivu, le 1-23. Merci. Oh, monsieur, pourquoi tu t'agites? Le 1-23, ils sont à Rutshuru, à Masisi et à Nirangongo. Mais si vous voyez même ces territoires, ils ne sont pas dans tous les territoires de ce que j'ai précité, le 3. Donc, ce qui revient à dire, aujourd'hui, avec nos militaires qui sont en train d'avancer petit à petit pour nous récupérer le fameux Bounagana. Merci beaucoup, Malamboka. Maton Domingue, et aussi de ces émissions, Neko Vincent Mouzungu, que retenir de votre passage et que dire la question de la sécurité, puisque ils ont beaucoup à bapiller, au-delà, il y a l'économie, puis bon, la bombe. Est-ce que, bah, il faut réserver pour ça, puisque nous parlons de faits, depuis peut-être est-ce que le gouvernement soumis la paix aussi relevait ces défis, puisque permutation même est celle, mais à niveau à défense. La question sécuritaire, d'abord, mes hommages déférents et effardécés pour les travaux des titans qui est abattu sur le terrain. Je lisais Global Firepower, qui est un magazine new-yorkais spécialisé en matière d'armement, qui a listé le FRDC comme 8e dans la position des armées puissante en Afrique et à la capacité de dissuasion. J'ai dit, ben, écoutez, en ce qui concerne les nombres, on a une armée, c'est vrai, qui a ce qu'elle a, mais qui est capable de faire des miracles. Mais maintenant, la question sécurité, madame, s'il faut, tolali, malam, unabutu, natongo, tolamoki, toye, awa, pona kolobelamboka. C'est ça la sécurité, en fait. Donc, on a besoin des bons éléments, oyubazo futama, bien. Il y a bien, il y a condition, il y a bien. Et qui tant que vous avez dit que parce que vous avez dit serment dans le bango, si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que on ne voudrait pas tout le monde être armé dans le bisso, c'est vrai, ils ont un moment où vous avez mais le gouvernement Yassika est à la solde de ma militaire. Parce que c'est vrai, le problème de la solde de ma militaire, madame, à ta époque, il y a Yesumasi, moi je me rappelle, Batunara Yesumotuna, et bon, on a vu ce basoda, Olobinini, à mettre à l'obaka, contentez-vous, na solde na bino. Mais moi je voudrais quand même, Bamika komat sa solde. Et puis la question, madame, y a enseignant. Au monibiso, tout ça, ban, y a enseignant, nous savons dans quelles conditions nous avons grandi, quand on payait nos parents rien du tout, et qu'il fallait payer les maisons d'autrui, tout qui n'est pas bakela ainsi. C'était compliqué. Je voudrais que dans le second mandat, la gratuité de l'enseignement, c'est une bonne politique, mais qui n'est pas encore arrivée à terme parce que les processus étant en cours, il faille encore d'autres mesures d'accompagnement. Mais que le président Tshisekedi et Mme Judith Suminwa décomènent encore, battent la enveloppe salariale. On voudrait que l'enseignant Abisso touche à 500 $. Ça représente rien. Le problème que le Congo a et que banque centrale les huit mesures moko qui va mon ébélé et bima na franc. Mais madame, ils ont mal à moi. Mais je me dis mais na tonini. Mais ceux qui déjà enseignent font un maca 100 $. Mon ébélé na franc na toi la banque centrale du Congo. Nda connais à la 150 $. Il va faire comment? Et puis, donc, il va faire comment? Je pense que c'est une bonne question, mais Bavandela, en gros, c'est vrai, il faut laisser la place aux experts en économie monétaire, pour éviter la spéculation. Mais question de sécurité, avec des larmes aux yeux, nous invitons le nouveau patron de défense nationale, Guy Kabombo-Mwadiavita, qui était le DG du journal officiel,
Kolonga journal officiel, Kokuma la défense nationale, ngai naninga ni mo moke. En tout cas, j'ai nalingi na nona na arrêté soif nanga parce que je ne comprends pas. Je me dis, mais est-ce que défense nationale, on ne doit pas donner cela à un technocrate? J'ai posé la question à un expert en matière qui m'a dit, mais attendez, Guy Kabombo Mandiavita a fait la sécurité, si pas en France, aux États-Unis d'Amérique. Okay. En tout cas, chapeau bas, Nabakela s'est attendu, mais tout est espéré que le Congo, qui est notre bien commun, soit en paix. Mais je veux vraiment qu'on parle des chiffres, puisqu'on lance des chiffres comme ça, et puis après, il n'y a pas de suite. Moi, en Boka, Jean-Paul Kazamba, tout ce qu'il y a, ce qu'il faut qu'on le quoi l'opposant, qu'on peut ça, toli, topé, ça a quelques recommandations au gouvernement souminois. Ou est-ce que tu as mon salaire, l'autolobby, ça n'a pas de débat. Merci, maman Naomi. Infirmier. Et donc, on saute. T'as il dépasse niveau et tiens, beaucoup d'amis. Mais la question, c'est aussi est-ce que. Bah, est-ce que ça, formation est-ce de défense fait ça à la fin de 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 la fin ministre la fin de la économiste. De la fin de la armée, c'est panda. Hein, ma fin c'est panda, bamboula, bamboula. Mais ça, de la fin de la fin de la fin de se chercher. Vous en plein guerre, vous en infirmier, vous êtes un ministre de la défense. Quand vous faites ça, il dépasse, mon nom. Je ne sais pas. C'est un gars. Moi, je suis pas tribaliste. Mais tout ça, c'est là. Et de combien ça, à vous, tu connais le cas, moi, quand vous saliez, mes condoléances, dans votre bien, mais vous avez dit que vous avez dit que vous avez samedi, tout le monde me corrige, moi, dimanche, à quel temps le match, il y a Léopard, à ce CP là, dans le stade, ça veut dire que vous avez les balles depuis une centaine. Samedi, dimanche, il n'y a aucun stade. C'est un père de la nation. Il n'est pas n'importe qui, ça veut dire que nous avons un père de la nation. Il est le premier personnel du pays. Ça dit qu'il a été examiné dans le bassin Koussou. Il est le premier. C'est lui le père de la nation. Il doit porter ses bases sans dire que. Azoui Chopouane. Parce que Koufi samedi, dimanche, il y a un stade de martyr au temps de match. Azoui Sepela. On a eu le léopard. Mais le nom de quand même, c'est bien. C'est parmi les conscients de l'IDPS. Aïe, vous savez, il y a un peu de laver quand on aura la battu. Ndekonanga, et ça passe. Il y a un peu de temps. Armée n'a pas Kabila tika qui en boy. Kabila tika qui en boy. C'est-à-dire que ce sont déjà quoi? Ce qui on ne peut pas compter. Ce qui pendant 6 ans, comme Kabila, ça a mon nom, on a pas mon tille, non. Armée, ce que ça, boy, ça, Kabila. Armée, ce que ça, boy, ça, pendant 6 ans. Kabila, comme d'ailleurs, ça, il y a des gens qui sont assez bons dans mon tina. Dans la RDC, les gens qui sont dans la Kenya. Kabila, ils sont beaucoup de ça. Et à ça, Kabila. Kabila, vous avez dit que vous avez gagné beaucoup de ça, on a niveau, hein. Il y a mais de quoi vous parlez, mon frère? Peut-être que j'ai été à l'Est. Et à l'Est, je suis gomaté. Mais quitter ça, gomaté, comme ça, entité administrative, quitter ça, c'est là où il y a les minéraux. Et ça, je suis gomaté, comme ça, centre administratif, bureau. Donc, ces gens-là, ils sont capables que. Alors je serai n'a pas moto yebi sans raison négliger Bounagana par exemple. Sans raison négliger Roubaya par exemple. Sans raison négliger Kishishi, c'est là où il y a les minéraux. Ces gens-là, parce que la gomme, ils peuvent rester là-bas et devenir des milliardaires. Mais pas ça n'est pas que nous sommes en face des jouisseurs. Parce que moi, quand je suis là, la première d'offre, il faut avoir des révolutionnaires. Comme le fait Étienne Tshisekedi, comme Mosé, Laurent Désiré, là. Ce ne sont pas des jouisseurs parce que Bango les anime. Quand on a fait un million dans Bango, on a fait un million. C'est-à-dire avec Bango, on a peut-être 10 ans. Parce que tu sais que Bemba, Kamere, Mboso, est-ce qu'on a besoin d'Estewana?
Si déjà, ils sont capables d'avoir des millions de dollars. Parce que ça tire en monter. Ne pas qu'il y a des gens qui ont été en train de parmi les policiers, je ferai mon état-major en Goma. Ah, c'est à Kenda Lissous. C'est ça, être révolutionnaire. Révolutionnaire, c'est que, au Kenda, il y a des gens qui ont été en train de. Moi, je préfère encore Kabila. À ça, il va faire Néwa. Ce sont des gens qui travaillent. Mais bon, parce que mon mandat, peut-être qu'il y a rien de bien. Merci. Il est dans la pauvreté comme moi. Merci. Il doit souffrir. Mais tu sais, acheter des maisons chaque jour. Merci. En Europe. Nous sommes, je suis bien heureux, peut-être que plus que lui. Mais il est bien. Merci beaucoup, moi. Ils achètent des maisons à longueur de journée en Europe. Ça, tu ne voulais pas. Merci beaucoup. Il y a un mandat, on n'a pas de soucis. Merci beaucoup, moi. Mais maintenant, tu as dit qu'il y a un bon là. S'il vous plaît. Le nom, on va bien être peuple d'abord. Est-ce que tu as dit 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 que Menza Joseph, que dire dans le gouvernement soumis pour que deuxième mandat, enfin, puisque ça avenir à de paix, le nom de Papa Tshisekedi est en chef. 10 ans. Ah, deuxième mandat, mandat à Souka selon constitution. Madame, ce monsieur n'est pas sérieux politiquement. Pas de souci. Monsieur Guy, on l'invite à terminer à l'Unikin. Allez voir, au moins ils sont goûtés. Monsieur, quand tu parles là, quand tu parlais, bas la tête, monsieur, bas la tête, monsieur, Madame, est-ce qu'on sécurise? Même lui-même, on sait qu'il n'y a pas de qui a retourné en vie que t'es, pourquoi ça ne m'a pas monté? Il a ça à l'université, calmez-vous. Tolérance, moi, l'ambocato. Moi, je suis de l'équipe, là, excusez-moi. S'il vous plaît. Il a même lui-même, il n'a jamais dit qu'il n'y a pas de qui. Il a fait des fades, il a dit Fagitaire, il y a eu la cité. Moi, la mot, quand je parle. Ben ça, l'homme, il y a un mot. Monsieur, monsieur. Moi, je connais pas. Monsieur, finalement. Il vous laisse pas dans l'émission là. L'émission Batou, il y a ça là-bas tout. S'il vous plaît. Je réponds. Monsieur Guy Moadianvita a plus de diplômes que ce monsieur Linette. Ça, c'est de c'est un écrivain, c'est un juriste. Et, mais madame, au moins, Batou Batangi n'a pas poto. Ils ont plus de moyens d'étudier plus que nous. Attends, la poto, il a vécu la poto. Quand tu parlais. Moi, j'étais discipliné. Non. C'est ça la différence non, entre nous pas, et vous. Pas jusque-là. Non, pas jusque-là. Jusque là. Jusque là, je ne voulais pas parler. Mais madame, à l'habit, il fallait qu'on ait ses qualités à l'invité. Je comprends que ma femme... Je salue le service national avec le général Kassongo Kabwik. Dans le village natal de Moussé Laurent Désiré Kabila, le président Félix a fait construire une école pour les enfants d'Ankoro dans le village natal de Moussé, un hôpital. Il y a Mais finalement, mais Moutounabango, 18 ans, soi-disant, père Naé, a tchatabri qui m'ont roté. Ça, c'est le 1. De 2. L'armée, loi à programmation militaire, un budget de 1,6 milliard de dollars. Aujourd'hui, sous Félix, nous avons formé 18 brigades. Mais à l'Oubiango, devant tout le monde, premier Joseph Kabila qui construit des fermes privées. Mais tu as été 18 ans. Aïe, bisabi, sosso, nini, la poulaye, nini, a tiqué les bisous, la RDC. Tala, kingakati, tala, na botanique, na bisous, la place, na bisous, récréation. Qu'est-ce que ça ne soit construit? Madame, ça c'est grave. Joseph Kabila a quitté le pouvoir en 18 ans, tongi, palais présidentiel, t'es. A réhabilité le côté. Du coup, c'est ces messieurs qui viennent bomber la torse ici. Donc, c'est pour dire ceci. Messieurs, mais finalement, il y a discipliné, vous les cahiers. Quand tu es un homme
Un homme d'État, lui, c'est un politicien. Mais monsieur, madame, c'est monsieur Ayebi, il me qualifie de menteur sur un plateau de télé. Il me qualifie de menteur. Il me qualifie de menteur. Madame, Alobi est un politologue. C'est ça. Oui, la doctrine, c'est là, c'est aussi ça. La doctrine, messieurs, la doctrine, la politologie, les, dit ceci. La politologie, c'est une science qui étudie les principes et les faits en sciences po. Donc, c'est-à-dire, quand tu viens sur un plateau, tu dois en amener des faits. Je te mets au défi. Ouroba, dans quelle ville de Belgique Félix a acheté une maison? Dans quelle ville de Paris, même dans le monde? Mais moi, j'étais parlé. Donc, moi, j'ai porté le fait que M. Kabila. Mais je vous parle de fait. M. Kabila, il a construit Kingakati. Il a construit Kachamata. Donc, c'est pour dire ceci, j'ai des faits comme ça. Donc, c'est pour dire que. C'est une fierté. C'est monsieur, désormais. C'est une fierté, madame. Rien de temps, vous avez bien ça. Il faut bien ça m'inviter que je vous ai appelé ici. Merci beaucoup, madame. Messieurs Denis Kani Nazali, conseiller en communication à IGF, Atinelina du Graphimouke, Guy Moyenvite à Balobi. Il est détenteur d'un diplôme d'études approfondies en droit public interne à l'Université de Kinshasa et est licencié en sciences de la santé obtenu à l'Institut facultaire de développement IFAD à Kinshasa. Moyenvite a également fait des études médicales à l'Institut supérieur de formation des soins infirmiers Témoin des Pousses à Paris. Oui. Donc là, c'est. Oui. Mais Unikin est là. Mais pourquoi il a vélo? Tika, mais Tika. Pourquoi il a vélo? Voilà. On se retrouve prochainement. Ce n'est pas ça. Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Le côté d'abord est comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayo, au Kenero Téléman Agence, pour la bande de Kombongo. Dans il y a application sans de rêve au Ezali. Très facile. Au côté échangé à partir à téléphone, au côté la bande de Ko, au Baza, na Kinshasa, République du Congo, du Congo, au Baza, na Congo, Brazzaville, République du Congo. Facilement, bah, quoi qu'il récupérer Mbongo. Dans il y a MPSA, Orange Manila Bango. Et yo, et si ka ozali, bonne nouvelle, Miami Balé, ezali, que ceux qui ont téléchargé l'application Sandweb et au Tindi na code promo Buzz TV, on reçoit $10 pour la bénéfice. Donc, il n'y a pas mieux télécharger Mokonalelo, Marambaro Télémanagent Cécile. Il n'y a pas mieux que ça. Tindambo, la facilité, dès aujourd'hui, télécharger Sandweb, Nandela, il y a téléphone, na yo, plus facile, il n'y a pas mieux.